Germinal, c'est l'histoire, je dirais, d'un monde qui change. Germinal, c'est notre histoire. Et d'un monde qui va commencer à se transformer, c'est la germination. La Maheude, c'est une vieille âme. Elle a à peine 40 ans et je pense qu'elle a déjà plusieurs vies sur ses épaules. Dans le livre, elle a déjà 7 enfants. Nous, dans la série, elle en a 6. Ce que je trouve assez fascinant, c'est le parcours qu'elle a pendant toute la série. C'est-à-dire qu'on démarre avec quelqu'un qui est vraiment écrasé par ce contexte économique. C'est quelqu'un qui est en mode de survie, en fait. C'est une louve. Au départ, elle n'est là que pour protéger ses enfants et nourrir et chercher à manger. Et même s'ils sont très forts, les Maheu, et très dignes et qu'il n'y a jamais de plainte ou de misérabilisme, mais en fait, elle est vraiment uniquement dans cette survie-là. Maheu, c'est un bon ouvrier qui travaille, qui dit rien, qui ferme sa gueule, qui fait ce qu'il faut, qui a un regard bienveillant sur les gens. C'est cette condition ouvrière, c'est cette condition des mineurs. Il la vit avec dignité, avec force. Il essaie de donner à sa famille. Je pense que loin de là, l'idée pour lui de se révolter contre ça, jusqu'au moment où un jeune fougueux va arriver et mettre le feu aux poudres. C'est quoi ton nom ? Étienne Lantier. C'est pas les mains de mineurs, ça ? Je vous décevrai pas, monsieur, je vous jure. Et grâce à l'arrivée d'Étienne, on va assister en fait à l'éveil d'une conscience. On va voir quelqu'un qui se dit qu'elle peut avoir une toute petite place dans ce grand changement qui est en train d'arriver. Et jusqu'à devenir, à la fin du livre et à la fin de la série, presque sacrificielle. Qui va être en observation de ce qui se passe jusqu'au moment où il va épouser cette révolte, mais il va lui falloir du temps. Il pensait pas que c'était possible, et puis à un moment donné, il va se dire oui, c'est possible, et ce qu'on vit est pas normal. Elle a pas été à l'école, je pense qu'elle sait pas lire, elle sait pas écrire. Elle est bien ton idée, merci. Sans avoir le langage, sans avoir les mots, elle a une espèce de prescience de à quel point il faut s'engager dans ce mouvement. Moi, ça me plaît ton idée, Étienne. Il est l'élément déclencheur. Elle suit son instinct et elle comprend que lui, il peut vraiment leur apporter quelque chose. Et il va pas les sauver, mais il va leur faire gravir une marche. Alors nous, les femmes, on vote pour. Mais c'est pas un intellectuel, c'est un manuel. Tout ce que dit Lantier, il l'a au fond de lui, mais ça sort pas. Donc il va voir ce gamin qui, d'un seul coup, met les mots dans le bon sens et arrive à fédérer un mouvement, à entraîner des troupes, il va être fasciné, il va pas le montrer tout de suite parce qu'il y a aussi une fierté en lui, sa fierté d'être mineur. Et à un moment donné, il va l'épouser comme son fils. Il devient un fils spirituel, quoi. Il y a quelque chose où elle comprend qu'il est la porte de sortie ultime. Il devient une figure de prophète, Étienne. T'inquiète pas comme ça. On va s'en sortir. Hein. Tu crois ? Ben oui. On s'en est toujours sortis. Non ? Ils sont très liés, quoi. Ils sont très forts ensemble. Et ils s'entendent bien, sans avoir besoin de parler beaucoup. Ces gens étaient joyeux, hein, malgré tout. Hein. Ils étaient fatigués, les conditions étaient dures, mais ils faisaient la fête, ils rigolaient. Et je pense que même quand on vit la pire des choses, quand on s'aime, on s'aime. Il y a beaucoup de tendresse, voilà. On en a certainement rajouté par rapport au livre. Qu'on sente cet amour entre eux, c'est important. Ouais. Faut qu'il y ait du bonheur pour qu'on arrive à croire au malheur. Alors aujourd'hui, nous allons mettre aux enchères 18 nouveaux chantiers. Il y a une erreur, on est 20 équipes. Non, 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 aucune erreur. Nous ne pouvons mettre aux enchères que 18 nouveaux chantiers pour le moment. Ça veut dire qu'il y en a qui vont rester sur le carreau, alors. C'est pas réglo, ça. Mais c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Tais-toi, Bouteloup. Ça n'a de sens d'adapter une œuvre littéraire que si on pense que à travers le prisme d'aujourd'hui, elle peut nous raconter quelque chose de notre société. C'est bien de rappeler aussi que les grandes réformes ont été provoquées par des grands combats et par la souffrance et par des moments de la violence aussi. Malheureusement, elle est là pour rappeler aussi qu'on souffre. Pour moi, la Maheude et Étienne et le Maheu, enfin plein, ils sont shakespeariens, c'est une fresque.